La déclaration envoyée à l'endroit des travailleurs n'est pas liée à la levée de la motion du front. C'était une adresse à l'endroit des travailleurs pour leur expliquer pourquoi la CSTB a co-signé une correspondance adressée au gouvernement le 20 passé pour lui demander de rouvrir les négociations. Nous avons avancé les raisons pour lesquelles nous l'avons fait. Nous l'avons fait en ceci que lorsque les négociations étaient bloquées et que des vagues de levée sont intervenues, les trois secrétaires généraux confédéraux qui continuaient d'être dans le combat sont allés sur tout le temps du territoire national organiser des AG pour prendre les avis des militants à la base par rapport au mouvement et comment ils doivent continuer à s'organiser pour que le mouvement aille de l'avant. Donc, du retour de cette tournée, les secrétaires généraux ont voulu adresser une correspondance au gouvernement pour lui dire pourtant, c'est lui, le gouvernement, qui doit régler les problèmes. Donc, se muer dans un mutisme total n'est pas responsable de sa part. C'est pour cela que les confédérations UNSTB, CGTB, UNSTB, COSI et CSTB ont signé une correspondance au gouvernement, comptant sur le fait que les travailleurs eux-mêmes se battent et que pour rien au monde, les travailleurs n'entendent qu'on vende leurs revendications et qu'ils sont accrochés à l'essentiel de leurs revendications. Nous savons plus les responsabilités en adressant une correspondance au gouvernement. Ça ne veut pas dire que nous avons renoncé au principe préalable. Non. C'est le gouvernement qui doit retrocéder les sous défaqués. C'est lui qui doit résoudre tous les problèmes que posent les enseignants, les agents de santé, les magistrats. Lorsque nous avons adressé la correspondance, aussitôt nous avons constaté que le gouvernement a mis la correspondance sur les réseaux sociaux. Et les éléments liés au pouvoir, qui sont en milieu travailleur, qui ont raccroché tôt les centrales et les éléments de l'IMP s'en sont pris à ceux qui ont signé cette correspondance pour dire qu'ils ont renoncé à leur principe de base, ce qui est faux et archi-faux. Parce que chacun ne veut pas rester campé de son côté pour que les problèmes soient réglés. Même la rétrocession, c'est le gouvernement. Donc, il va falloir qu'ils nous disent comment ils veulent rétrocéder les sous. Donc, nous, on a renoué le contact, on l'a mis devant ses responsabilités pour qu'ils prennent ses responsabilités. S'ils ne le prennent pas, ils publient pour penser que ça va détruire les centrales qui ont signé auprès des travailleurs, sûrement, ils mentent. Puisque nous, nulle part dans cette déclaration, ou bien dans ce que nous avons signé, on a dit que la grève est terminée. Non, la grève se poursuit. C'est d'ailleurs, lorsqu'on va à la table de négociation, c'est pendant qu'on négocie que la grève devait s'intensifier pour obliger le gouvernement à résoudre les problèmes. La suite, nous attendons le gouvernement. Il vient d'aider un autre pan des responsables syndicaux, à savoir une partie du front, à lever la motion contre toute attente de la base. Donc, après avoir fait ça, demain et après-demain, il saura que la base dit non et que la base ne veut pas rentrer. Nous pensons qu'après ça, il pourra prendre ses responsabilités et mesurer la gravité de la situation. Si la base dit bon, on rentre, nous, on va constater.